tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir ensemble la jolie box que, comme d'hab, hein, je ne l'ai pas encore défaite. On va le faire en direct. Je pense que ça va être la dernière box que je vais commander chez Jolie Box parce que c'est vrai qu'au fil du temps, je suis un petit peu déçue. Je trouve que le concept, il est franchement super. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais alors, ce qu'il y a à l'intérieur... Dommage quoi. J'en ai parlé avec ma copine et il y en a plein d'autres. C'est vrai qu'on commence à être un peu tous d'accord qu'à la base, quand on commence la Jolie Box, la Glossy Box, la Little Box et puis d'autres, on a envie, c'est vrai, de découvrir des produits de marque ou de, qui sont connus ou non connus, mais aussi du make-up quoi. Et là, quand je fais le bilan, j'ai pas fait beaucoup de découvertes. Je suis abonnée depuis l'année dernière, j'ai pas fait beaucoup de découvertes dans les produits et ça m'embête un peu. Alors on va dire, ben c'est quand même 13 euros et je préfère mettre 13 euros pour découvrir par exemple ben, chez Kiko certains produits ou chez Avril Beauté ou Sleek ou Urban Decay, ne serait-ce qu'acheter un crayon, enfin voilà, et vraiment que je serais vraiment contente. Et c'est dommage parce que j'aimais bien ces petites boîtes noires. Enfin, le concept, tout ça, je trouvais ça bien, mais là en plus, j'ai entendu dire qu'ils vont augmenter, donc c'est vrai qu'il y a certaines choses que j'ai déjà eues en échantillon quand je suis allée à divers endroits. Et bon, alors des fois la box vaut bien les 13 euros, et des fois elle ne la vaut pas. Je n'ai pas été surprise dans le make-up du tout, du tout, du tout. Vous voyez, comme le mois dernier, c'était un petit vernis de Nocibé. Exactement ce qu'on trouve chez Nocibé, en plus que j'ai pas du tout apprécié. Je connaissais cette marque-là, Nocibé, j'aurais voulu connaître autre chose. Bon, après évidemment, ils sont obligés aussi de faire une boîte type et après on essaye de voir à peu près le profil. Voilà, donc je pense que ça va être la dernière qu'on va ouvrir ensemble. Donc je suis désolée pour celles qui... Je sais qu'il y en a qui aimaient bien qu'on les ouvre ensemble, mais bon, je préfère vous présenter mon produit à 13 euros que j'aurais acheté que continuer à prendre une box qu'elle ne me satisfait pas. Donc là, on va voir. En plus de ça, petit aparté, on est quand même le 29 septembre. Avant, je recevais ma box en début du mois, donc j'avais le temps d'essayer et puis de vous faire la revue du top flop en fin de mois. Maintenant, je reçois ma box avec le retard qu'ils ont pris pendant la période estivale, donc la période d'été. On est débité, là j'ai été débité fin août, et je reçois quand même ma box le 29. Donc rien aussi pour ça, je suis carrément déçue. Je sais, je ne suis pas la seule. Donc attention, oui. Donc rien qu'aussi par rapport à ça, quoi, il y a un principe, quoi. Donc je veux dire, on est débité, on devrait recevoir notre box en début du mois. Même si celle du mois d'août, on l'a reçue fin août, bah tant pis, on reçoit celle début septembre, notre box, voilà quoi. Donc rien que pour ça aussi. Donc voilà. Alors bien évidemment, on va retrouver le joli mag du mois de septembre, donc je suis ravie de voir que ben on arrive à la fin du mois et que je vais découvrir mon mag du mois de septembre. Voilà. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup ce petit principe-là de petit livret. J'aime découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça va me manquer par contre parce que c'est vrai que j'ai bien aimé ce petit concept-là. J'aime bien les petits livrets. Après, on retrouve notre boîte noir cette fois, on retrouve notre petit menu et on a le mot de Mathilde. Donc une nouvelle rentrée qui s'annonce encore une fois sous le signe de la beauté. Après un été passé peau nue, on retrouve avec joie les plaisirs du maquillage et donc du démaquillage. Oui, crème énergisante, soin illuminant, parfum cube, brume réveil, élastique pour se faire un chignon. Donc j'espère que j'ai pas ça parce que franchement, arriver à me faire un chignon avec mes cheveux, ça va être sympa, je pense. On vous a préparé le vanity idéal pour une rentrée placée sous le signe de la détente et de la bonne humeur, afin que vous soyez la plus jolie dans l'amphi ou en salle de réunion. Je ne suis ni étudiante, je suis ni PDG, je ne fais pas de réunion. Je pense que j'ai aussi le droit d'être jolie en milieu hospitalier, là où je travaille, et mon côté
privée où je suis praticienne Reiki. Hein. N'oubliez pas de feuilleter votre jolie mag afin de découvrir l'indispensable beauté des filles de la Jolie Time pour être au top 24h sur 24, ainsi que nos conseils pour une peau bien exfoliée. Et donc un bronzage qui dure. Je ne suis pas bronzée. Je vais être chiante hein, aujourd'hui. Hein. Ça change. Un pied dans le sable et un au bureau. Je ne suis toujours pas au bureau. C'est comme ça qu'on aime la rentrée chez Jolie Box. Mais la rentrée, elle est déjà faite. On arrive au 29 septembre. Nous passons à l'automne. Donc ce décalage-là, rien que ça, ça... Ouh. Merci de faire partie de l'aventure de la Jolie Box depuis si longtemps. La Jolie Time tient à vous remercier de votre fidélité, s'associe aux paresseuses pour vous offrir un petit bonus supplémentaire que nous vous laissons découvrir dans votre Jolie Box. Donc on va bien découvrir le petit bonus d'être une petite paresseuse. Tiens, bing, je l'ai fait tomber. Voilà, alors on y va. Donc là, je viens juste de regarder mon menu et je ne vais pas hurler. Je vais rester zen. Nous avons en premier lieu le crayon Avril. Il y en a qui va faire rire. Le crayon Cool Regard Intense. Alors, j'ai de la chance, c'est un gris. Pour celles qui me suivent, j'aime beaucoup cette marque-là. Et j'ai le noir. Donc le noir, mais en bio. Là, celui-ci, c'est pas le bio. Voilà. Un swatch, c'est bien du gris. Ça aurait été sympa d'avoir du make-up comme ça, ben, bien avant dans les box, hein, je trouve. Ça aurait été vraiment génial. Ensuite, on a le Silk Infusion CHI, alors je ne connais pas. Aide à renforcer le cheveu tout en apportant douceur, facilité de coiffage, brillance, sans alourdir le cheveu. Alors, je cherche. Ça doit être ça. Pour les cheveux et la peau, ils mettent. Donc, excusez-moi, je découvre en même temps que vous. Je vous le présente comme ceci. Infusion aux agents hydratants. Cationique est un traitement sans rinçage aux riches extraits de soie pure, de protéines de blé et de soja qui vont pénétrer le cheveu et continuer à le renforcer tout en apportant douceur et brillance. Bien agité avant chaque utilisation sur cheveux humides ou secs. Donc on peut l'utiliser mouillé ou sec. Quelques gouttes dans la paume de vos mains. Appliquez aussi souvent que nécessaire. Un bout de zigouigoui. Voilà. Petite capsule. Apparemment... fait made USA. Voilà. Ensuite, on a 5 mondes. L'eau égyptienne, brume, soin phyto-aromatique rafraîchissante, envoûtante pour corps, cheveux et oreillers. 5 mondes. Spa Paris, eau égyptienne, brume de soin qui se présente comme ceci. Voilà. On va découvrir l'odeur. Il est bien ficelé le petit truc là. Ça va déchirer. Hop. Il se présente comme ça. Il fait 15 ml. J'ai peur qu'il pue. On sent rien là, donc j'ai peur. Alors, je ne mettrai ça ni sur mes cheveux, ni sur mon corps, ni sur mon oreiller. Pourtant, j'aime tout ce qu'a phytothérapie, mais alors, le pouvoir d'apaiser les tensions quotidiennes et d'aiguiller les songes. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a là-dedans. De l'alcool, du parfum, ouais. Et ben, pour la phytothérapie, pas mal quand même, hein, de l'alcool. Non, ce produit-là ne m'intéresse pas. Non, ça fait déjà deux.
Ensuite, on a Valmont René Wing Pack produit phare Valmont. Ce soin réveil illumine votre teint instantanément. Donc, je pense que c'est ce petit pot-là que je ne vais pas ouvrir. Enfin, je vais ouvrir. Ça, une opercule, je pense. Une opercule. Donc, il fait 15 millilitres. C'est un soin masque crème. Ouais. Donc. Voilà. Et ensuite, les paresseuses incarnées. Incarnées blanc. Donc, ma fille va être contente. Elle va pouvoir dessiner dessus. Ah non, j'y crois pas. Ils ne l'ont pas fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, si, c'est pour les cheveux. Voilà. On va faire un chignon. On va faire un chignon, la Sandrine. Donc voilà, donc bah non, bah franchement je regrette pas, là je termine de filmer ma vidéo et je me désabonne tout de suite, voilà. Donc je suis franchement désolée pour celle qui aimait bien quand j'ouvrais ma box, mais là non, 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 on arrête. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis, vous pouvez me retrouver, j'ai fait ma page Hello Cotoon. Elle cotonne, j'ai fait donc ben, j'ai mon Facebook et bientôt une surprise. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Pour moi, les jolies box s'arrêtent avec celle-ci. Bientôt un an, hein, donc ça fera un an. Ma chaîne le 12 octobre. Bon, ben celle du mois d'octobre, peut-être que ça a été prélevé là, hein, donc peut-être que, mais bon, je vous la présenterai pas la dernière. Donc là, non, on va s'arrêter là. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao! Mon amour ne te vexe pas. Si tu m'appelles, je ne répondrai pas.